Bonjour, je m'appelle Fatna, je suis agent de sûreté aéroportuaire chez Securitas. Bonjour. Bonjour. Carte d'embarquement, s'il vous plaît. Merci. Merci, allez-y, madame. Bon voyage. Securitas est une entreprise qui est spécialisée dans la sûreté aéroportuaire, dans la sécurité incendie et dans la surveillance. Le but de mon métier est d'assurer la protection des passagers, de contrôler leurs bagages et leurs effets personnels. Avec le magnétomètre, qui est en complément de palpation, je détecte les parties métalliques. Madame, bonjour, puis-je contrôler votre bagage ? Durant une vacation normale, je suis amenée à contrôler plus de 5000 personnes. Bon voyage, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour exercer ce métier, il faut savoir travailler en équipe, être très patient, maîtrise de soi, avoir confiance en soi et être très sociable avec les passagers. J'ai découvert ce métier car je travaillais déjà dans le milieu aéroportuaire. Je travaillais en duty free, en cosmétique, parfumerie, tabac, alcool. Je peux travailler de jour, commencer à 4h du matin, 5h, 7h, ou être du soir, commencer à 16h, ou être de nuit, entre 19h et 4h du matin. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que les journées ne se ressemblent pas. On fait les mêmes tâches, mais les passagers sont différents, les vols sont différents. Tout est différent. Pour exercer ce métier, il faut faire une formation de 1 mois et demi. Le type de formation, c'est le CQP-ASA, c'est le certificat de qualification d'agent de sûreté aéroportuaire. Durant cette formation, il faut valider une partie théorique pour apprendre toutes les réglementations et les procédures, et une partie pratique où il faut valider en image rayon X tout ce qui est bagages de soute, approvisionnement de bord, bagages de cabine et fret. La plupart de nos passagers sont des étrangers, donc l'anglais est indispensable pour pouvoir communiquer avec eux. L'évolution d'un agent de sûreté, il peut devenir un chef d'équipe ou superviseur, ou être un ADEC, un agent de comportement, QG Profiler. Une journée classique, c'est une journée réussie.